Voyage une hypothalamuse, tel est le titre de cette exposition que nous découvrons avec José Roy et Didier Charton. C'est ici que commence le voyage. C'est le voyage d'une hypothalamuse. En fait, ça veut dire que c'est un voyage intérieur. J'ai toujours rêvé de faire un train fantôme. Et là, j'ai fait un espèce de labyrinthe. Et là, on est dans un espace d'inexistence. C'est entre deux eaux, c'est entre deux vies. Pour moi, il y a les disparus, les déjà plus. Et puis d'un autre côté, il y a les pas encore, les peut-être, ceux qui sont à venir, les créatures en transformation, embryonnaires. Et puis il y a les âmes. Il y a un moment où il faut choisir d'exister. Et alors, le passage obligé, c'est par la matrice. Oui, ça y est, ça vient, oui. Oui, madame, ça y est. Oh, écoutez, c'est magnifique. Oh là, quel beau petit. Ouais. Là, j'ai essayé de faire une sorte de récit dans l'espace qui permettent aux voyageurs de traverser des étapes à l'extérieur et peut-être à l'intérieur de lui-même. Et là, c'est le jugement qu'on a entendu toute son enfance, toutes ces critiques qu'on a intégrées. Tu es nul, tu es moche, tiens-toi à droite. Moi, c'est un corbeau qui est toujours sur mon épaule qui me le dit. Mais est-ce qu'il faut le croire ?